Bonjour à tous, heureux de vous retrouver ce matin et je vous souhaite en Jésus-Christ une bonne journée. Que le Seigneur vous renouvelle dans vos forces et qu'il vous donne de passer une journée dans sa présence, pleine de vie, pleine de joie, pleine de fruits de l'Esprit. Une parole ce matin, donc dans le livre des Proverbes, toujours. Voilà ce que nous dit Salomon au travers de ses textes et de ses pensées en fait, qui nous partage dans le livre des Proverbes. Il dit au chapitre 12 et au verset 15, « L'insensé pense toujours qu'il fait bien, mais le sage écoute les avis des autres. » C'est la pensée que je voulais laisser sur votre cœur ce matin. Le sage écoute les avis des autres. C'est très dangereux de s'isoler, de rester isolé, de se mettre à l'écart, même si on a été blessé dans nos vies par les hommes, si on a été blessé d'une façon générale, de s'isoler et de se recroqueviller d'une certaine façon sur soi-même, de se mettre à l'écart et de ne plus broncher. Ce n'est pas le meilleur moyen pour construire et bâtir sa vie, ou rebâtir, ou reconstruire. Mais l'isolement n'est pas une bonne chose. Et donc, ce verset nous dit « Le sage écoute les avis des autres ». D'être au contact des autres, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, on peut être blessé, mais le Seigneur nous invite à nous retrouver les uns les autres, à nous supporter les uns les autres, à nous confier les uns les autres, à prier les uns pour les autres, donc à être ensemble et à partager. Le même livre des Proverbes nous dit que le salut est dans le grand nombre des conseillers. Et il nous dit aussi, sous un autre verset, au chapitre 15 et au verset 31, « Qui prête l'oreille attentive aux critiques constructives qui mènent à la vie, séjournera parmi les sages. » Donc là, dans ce verset, il y a une idée de finalité, séjourner parmi les sages. Ça nous parle d'être à terme dans la présence de Dieu. La Bible, sous d'autres textes, nous parle de ça. De nous retrouver ensemble, réunis et dans la présence de Dieu pour l'éternité. Mais qui prête l'oreille attentive aux critiques constructives qui mènent à la vie, donc séjournera parmi les sages. Ça nous parle aussi de critique constructive. Alors le terme critique est bien souvent mal perçu. Quand on pense critique, si je vous dis critique, vous allez penser jugement, vous allez penser même parfois peut-être moquerie et blessure. Du coup, alors que le terme critique, quand on regarde sa définition dans le Petit Robert, si vous voulez, ou le Larousse, ça nous parle évidemment de jugement, mais ça nous parle aussi d'analyse, de réflexion, etc. Donc c'est un peu plus nuancé et on peut peut-être parler d'analyse qui prête l'oreille attentive aux analyses constructives qui mènent à la vie ou aux réflexions constructives. Eh bien, c'est ce que nous invite à faire le livre des Proverbes. La Bible nous enseigne en fait que celui qui ne se confie pas déjà en l'Éternel, la première des choses est le psalmiste David orienter souvent ses auditeurs et même son cœur, et en tout cas au travers des versets qu'on peut lire dans les psaumes, à se confier en l'Éternel. C'est la première des choses. Et la Bible va même plus loin, dit que celui qui se confie en l'Éternel se sauve, et comme un arbre verdoyant, etc., etc. Mais malheur à celui qui se confie en l'homme. Donc il y a une nuance et un chemin étroit. La première des choses, évidemment, c'est de se confier en Dieu, mais pas se fermer aux autres. Parce que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On peut avoir des bons conseillers autour de nous, on peut avoir des mauvais conseillers, mais ce qui importe, c'est de se confier en Dieu, et puis que Dieu nous guide. Et Dieu peut nous parler aussi, peut parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc il peut se servir aussi de serviteurs humbles, enfin de personnes humbles de votre entourage, de personnes... la Bible, au travers de la Bible, on voit même à un moment Dieu va se servir d'un âne pour parler à un prophète insensé qui agit selon ses propres pensées et d'une manière un peu folle. Dieu va lui parler au travers d'un âne. Donc certains prédicateurs disent, ben voilà, si Dieu a parlé au travers d'un âne, je vois pas pourquoi il pourrait pas parler au travers de moi. Donc voilà, tout simplement pour vous dire que c'est important aussi d'être attentif à ce qui se dit autour de nous, de ne pas s'isoler, et de trouver les bons conseillers, d'avoir la sagesse, de se confier en Dieu premièrement, mais aussi d'être attentif à ce qui se dit autour de nous, d'être attentif aux voix qui nous entourent. Je
voulais vous montrer aussi qu'au travers de la Bible, cette absence d'écoute, d'attention, etc., mène à la ruine. Dans le livre de Sophonie, c'est un livre prophétique, le prophète annonce des jugements sur certaines villes. Et on peut comparer parfois nos propres vies à une ville, ça peut être une comparaison. Et il s'adresse ainsi à Ninive et il lui dit, voilà donc cette ville joyeuse qui s'assied avec assurance et qui dit en son cœur, moi et rien que moi. Et quoi ? Elle est en ruine, c'est un repère pour les bêtes. Tous ceux qui passeront près d'elle siffleront et agiteront la main. Elle est en ruine. Elle se dit, moi et rien que moi. Elle ne considère absolument pas les avis des autres, et c'est une attitude insensée. Ce que la Bible nous dit que c'est une attitude insensée. Dans le chapitre 3 du même livre de Sophonie, on voit aussi Dieu qui s'adresse à Jérusalem, la ville du peuple élu, et qui lui dit « Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix, elle n'a point égard à la correction. Elle ne se confie pas en l'Éternel, elle ne s'approche pas de son Dieu. » Voilà. Donc encore une fois, on voit une ville qui va droit vers la ruine, qui est pleine d'oppresseurs, pleine de tumultes, pleine de violence en elle-même, pleine de choses qui vont contribuer à sa ruine. Et bien dans nos vies, ça peut être aussi parfois ça aussi, à l'intérieur de notre vie, on peut parfois être dans la violence, dans la colère, dans la haine, et ne plus être attentif à la voix du Seigneur, ne plus être attentif à la voix de ceux qui nous entourent, aux serviteurs de Dieu, quel qu'ils soient, dans l'Église, ne plus être attentif à la voix de Dieu d'une façon générale et aller tout droit vers la ruine. Elle ne se confie pas en l'Éternel, elle n'écoute aucune voix. Encore une fois, elle n'écoute aucune voix. Alors soyez attentifs dans cette journée, si vous êtes à un carrefour de vos vies, vous devez prendre des grandes décisions, soyez très attentifs aux paroles que vous pouvez entendre, aux avis, cherchez les avis de Dieu prioritairement et soyez attentifs à sa parole. Encore une fois, l'insensé pense toujours qu'il fait bien, mais le sage écoute les avis des autres. Alors soyez attentifs, je vous souhaite une bonne journée en Jésus-Christ.